Bien le bonjour à tous. Salut tout le monde. On se présente, on est deux frères, Tom et Luc. On est tout nouveau sur ce nouveau format avec la Fédération Française de Golf. On est très très heureux de travailler avec eux. Ça va être un nouveau format, c'est une partie avec. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de jouer avec... Regardez, il est là-bas. Romain Langasque. Du coup, on se retrouve à Canemougin. C'est ça, pour un 9 trous. 9, c'est si ça se passe bien. Ah. Les amis, on en reparle Tom, c'est incroyable ce qui va se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est assez fou. C'est complètement... Ah, il putte quand même, avant la partie. Ah. Yes. Ça, je rate jamais ça normalement. Allez Tom, oui. Là il est dans la game là. Il rigole, il est fou de notre gueule Romain. Bon ben c'est parti, c'est un par 4. C'est un par 4, il faut mettre en jeu. Moi je vais taper un fer 3 je pense. Ok. Là, j'ai tapé un fer 5 moi. Ouais. C'est incroyable celle-là. Hein. Oh yes. Oh 10 sur 10 Luc. Trou numéro 1, tee numéro 1. T'as Romain Langasque qui est derrière moi. Ça fait quelque chose quand même, tu vois. Ouais. Cool. Donc t'as fait quand même des beaux tournois dans ta carrière. Le stress du tee numéro 1, tu l'as. C'est ce qu'il y a de plus dur. Et comment tu fais donc du coup pour le gérer? T'as des trucs ou t'as... Bah, moi je me rattache beaucoup à ma routine, tu vois. Ok. De A à Z. Après, je pense que ce qui va être sur la respiration et tout ça, ça va aider aussi dans cette situation-là. Elle est très proche. Je pense que Romain s'est mis à 2 mètres là. C'est vrai? Ouais. Wow. Faut que t'avances. Avance. Faut que t'avances. Pas mal. Allez, avance. Bien joué, ça. Oui. Stop. Bien, Tom. Super chasse. Allez. Non. C'était un bon putt. De merde. Bon, on va essayer de pas s'écrouler, les amis. Hein. Parce que là, il nous a pas sorti son drive encore. Hein. Elle monte, elle est plate comme ça là. Optimisé. Ah ouais, optimisé, exact. Oh, oh punaise. Parfait. Bravo Tom. Oh là. Oh. On verra, mais je pense qu'elle est parfaite. Donné, ouais. Donné. Merci. Oui Tom. C'est fort. Solide. Ouais. Merci. Ça veut dire équipe de France? Ouais, c'est le capuchon des JO. Oh, oui. Ah oui, JO 2020. Wouah, mais... Incroyable. Ah, dommage. Balle. Oh Tom. Il a planté le drapeau de l'autre green. On peut aller là-bas directement. On change de green, Joker. Oh c'est chargé. T'as un putt de retour plus long que ton premier mec. Allez Tom, on s'accroche. Ah ouais là mais on s'accroche à tout ce qu'on peut là. Ouais ouais. Oh c'est propre. Nous quand on dit tombe, c'est qu'elle... C'est parce que elle est 20 mètres derrière, je tombe. Oh ça vient bien ça. Allez. Oh, oh non. Two up. Ah, joli putt. Ouais joli putt, très bien joué. L'ambition c'est quoi? C'est gagner la race et... C'est... L'ambition, c'est de pouvoir me regarder dans 15 ans dans une glace et de me dire que j'ai tout fait pour être le meilleur joueur possible. Alors oui, j'ai les rêves d'être numéro 1 mondial, de jouer la Ryder Cup. Ouais, c'est bon. De tout ça. Mais l'ambition, c'est de pouvoir voilà, être juste reconnaissant envers moi-même de la carrière que j'ai faite. Tu vois, te dire que t'as été sérieux, que... Voilà, de pas d'avoir aucun regret. Et la Ryder Cup tout court, c'est, ça trotte dans la tête? Ouais, évidemment. C'est le Graal. Hein. Pour toi, c'est le Graal? Plus, ouais. Plus qu'un master, plus que... En fait, c'est... Ça vient avec le reste, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai que si tu joues la Ryder, c'est que... C'est qu'en général, t'as fait des belles choses.
Mais ça fait quoi de planter des mâts comme ça et tout là? Ah mais même moi ça me fait kiffer hein. Mais t'en plantes tout le temps en fait, tu vois, est-ce que tu, ça, c'est toujours le même kiff parce que... Non ouais, ça me fait toujours autant plaisir. Cut. Ah la commerciale. Bon bah Romain, bah... Attends. Romain, si t'es joueur, on met tout sur les dames. Qui te donne? Allez. Oh. Et il est joueur quand même. T'as pas raté le coup aujourd'hui? T'as pas raté un? Non. passe. Boîte, s'il te plaît. Allez. Oh, c'était bien peuté, ça. Ah, dommage. Pinaise, mais tu putes avec un stance un peu décalé? Ouais. C'est fou, ça. Je fais les vainqueurs aussi. Comme ça. Ok. Ouais. Eh ben, Romain, bah, merci beaucoup. Merci, c'était très sympa. Merci beaucoup, Romain. Victor 3-2, quand même, faut le dire à la caméra. On le dit, Victor 3-2. Bon, on espère que cette petite vidéo en compagnie de Romain vous a plu. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.